Bonjour, bienvenue à cette belle et bien vivante tour. Aujourd'hui, on va faire un genre de pot de fleurs, mais pot de cactus. Un peu le mélange des deux. Fait que, ben, on va commencer à faire ça parce que j'ai décidé que là, mon gâteau est recouvert en glaçage tout, mais je vais le recouvrir en fondant. Fallait que je montre certaines étapes. Fait que je vais recouvrir de fondant, puis après ça, on va faire la décoration. Là, elle a deux exemples de maison chez eux pour dire qu'elle l'a pas. Ouais, je sais que moi, je sais pas. À chaque fois que je ferme la porte, je fais Ses yeux, je le vois plus. C'est fini. Moi, ouais, c'est fini. Plus. On va quand même faire ça vite. On va prendre mauve. Ouais, une mauve. On peut l'enlever un petit peu. Parce que normalement, ici, j'ai deux tables. J'ai une table en. Tu sais, je refuse celle-là, puis j'ai l'autre table ici en stainless. Puis quand je suis tout seul. Je travaille sur celle-là, puis je travaille sur celle-là. Fait que... J'aime beaucoup ma table en bois parce qu'elle est faite pour ma grandeur à moi. La table en stainless, c'est un peu plus basse. Fait que c'est faite pour les madames qui sont un peu plus petites. C'est l'idéal pour ceux qui sont plus petites. C'est l'idéal pour les Céciles. Oui, c'est l'idéal pour les Céciles. Mais c'est pas l'idéal pour moi. Fait que... Tu as donné une forme un peu. Comme si c'était un pot de fleurs, en fond. Mm-hmm. Je fais comme j'ai déjà montré, je fais juste enlever l'air. J'enlève un peu gros. Et c'est sûr que là, je n'explique pas tout en détail parce que je l'ai déjà montré. Mais tu sais, je veux juste réexpliquer pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes. On fait juste l'ouvrir et le glisser. On ouvre, on glisse, on ouvre et on glisse. Faire ça vite. La femme que j'ai un souvenir, que quand Cécile faisait ça, elle était sa pointe des orteils. Bon. Donc on laisse comme ça 2 secondes, je vais mettre de côté. C'est pour ça que je voulais le faire. Pas le masquer en glaçage, mais au moins le faire du début pour que vous voyez pourquoi que je fais en noir. Après ça, on le revient de bord. En plus, je connais, il n'est pas sur le plateau. Non, il est sur un plateau, mais le plateau, il est là, là. Tout peut être plus égal quand on fait de ce sens-là. Parce que là, je vais faire ma bande. Tu sais, comme ça, un pot de fleurs, on a comme une petite bande plus. Fait que là, elle va être à côté sur le carton. On est sûr qu'elle va être droite, droite, droite. À même égalité que le pot, non? Au lieu de devoir à l'installer et de précision. Bon, et moi je vais faire une bande. J'y vais avec lui. Je peux bien. Mais ça, c'est le fondant à Imo, hein, fait que. Je touche à peine, puis il s'étire. J'utilise rarement. Quand je fais des bandes comme ça, je n'utilise pas lui. J'utilise. Bon, on va rentrer. Je pourrais prendre une règle, je pourrais prendre n'importe quoi. Ça que je vais y aller. Mais toi, je vais le faire avec la règle pour que. Une fois, on en parlait. J'ai comme des petits poils de. De pinceau. Ouais, de pinceau. Je vais jouer depuis tantôt, puis je fais rien. Ok, mettons qu'on prendrait la règle.
Tu sais, on peut, là, par rapport à la largeur, ça peut fuiter, et on peut prendre la ligne. Faut juste penser à mettre que le fondant soit égal. Il faut juste bien tenir la règle. C'est juste que généralement, tu sais, ça n'a pas toujours une largeur de règle qu'on a besoin de faire. Mais là, ça peut fuiter. Ok, fait que je veux m'aider, je vais enlever lui. Ok. Donc, l'eau. Comme j'explique à chaque fois, de l'eau, c'est comme de la colle. Là, c'est plus difficile de dire il est où mon devant, il est où mon derrière. On va le voir, mais que je le vire de bord si jamais. Tu sais, parce que il y a quand même l'air d'avoir l'angle à peu près pas mal égal. Mais généralement, on a toujours une idée de ce qui est devant et derrière, là. Pas vraiment. Mais quand je vais virer le bord, peut-être que là, ça va être différent. Pas trop l'étirer. Faut que je fasse ça tout le temps. Vous le voyez pas, mais je fais juste couper le. Je vais mettre dans le bord. Hop! Juste. C'est pour ça que tu sais, je laisse virer en envers. J'ai pas besoin d'ajustement pour. Il est à côté dessus. On est sûr qu'on est correct. Puis ça se masque mieux aussi. Si on part de la base, là, quand j'ai voulu masquer le glaçage, il a fait que je le masque comme ça. C'est comme si je le mette croche, j'ai pas de corne, mais le plateau devient comme un obstacle à mon angle, tandis que là, le plateau, c'est pas un obstacle. S'il faut que je masque comme ça, je peux comme pas, à cause de la ligne droite, je peux pas le virer comme ça parce que le bout va pas être à côté. J'ai pas de point d'appui. Non? Je le rebougerai après. Dans notre peau, tout est droit vraiment partout. Mais il n'y a pas de. C'est pas dur de montrer, mais en tout cas, à la caméra, là, on va le voir, mais il n'y a pas de glaçage là, vu qu'il était monté comme ça. On se garde juste. Il n'y a pas besoin d'avoir tant que ça. Là. Je vais juste le recouvrir. De toute façon, on verra même plus ça après. Là. C'est vraiment juste pour cacher le gâteau. Là. Faut pas qu'il sèche parce que. Ah, c'est ça, j'ai oublié de mettre sur ma table. Mais c'est pas grave. Je le dirai tantôt puis je vais repartir encore. Ça fera du montage. Je sais que vous aimez ça faire ça. Merveilleux. Ok. Fait que on a notre peau. Fondant est mis. Puis j'ai juste mis une petite proute de glaçage en dessous parce qu'à un moment donné, vu que lui il est froid, lui il va figer puis il va arrêter de bouger sur mon plateau. Hein. Ok. Il va encore falloir que je me déplace. Mais je suis préparée. Trois poches. Une comme ça. Puis là. Vous allez le voir au fur et à mesure ce que je vais faire avec. Hein. J'en ai fait une comme ça. Celle-là, c'est pas l'idéal. Je vous dirais parce que je vais comme faire comme si c'était un look feuille. Parce que ça, c'est le look feuille. Je fais un genre de cactus qu'on sait pas trop c'est quoi, mais ça va être beau pareil. Hein. Sinon, ça. Qui est comme un V. Ça, là, pour faire une feuille, ça va 100 fois mieux que ça. On réussit. Je dirais 99% et plus, toujours ça. Puis lui, c'est comme si la finition, des fois, tantôt on va le faire, puis vous allez sûrement voir ce que ça donne. La finition, c'est que on n'arrive pas toujours à avoir le petit. Tu sais, si moindrement le glaçage a refroidi un peu, le bout de la feuille, qu'est-ce que vous êtes pointu, elle arrache.
Ça, c'est comme si elle se fait pas la pointe. Ça, la pointe se fait toujours, 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 toujours. 110%, non, ça marche. Ok, donc je me suis préparée, pour moi, il va y avoir trois cactus. Là, je me suis préparée pour que ça soit plus gros. Du gâteau avec des pics. Ça fait drôle, là, montrer comme ça, mais vous allez comprendre quand je vais le... J'aurais même pu le faire plus gros, parce que dans ma tête, c'était comme plus petit. Mais avec le glaçage, ça fait quand même assez gros, donc on va pouvoir le faire pareil. Sur celui-là, je vais le montrer sur celui-là avec la poche que j'ai. Mais on peut, c'est comme si je ferais une rose avec celui-là. On va mieux le voir parce que je vais pouvoir le faire plus gros. Mais sinon, une rose, ça se travaille avec un pic comme ça ici. Généralement, on met du glaçage, on se met un papier, puis là, on part notre rose. Je vais vous montrer en faisant ici, là. On part notre rose. Le petit papier sert qu'une fois que c'est fait, mettons là, que vous avez. On peut faire ça une fois que c'est fait, puis le mettre là, OK? Sans le petit papier. Moi, j'ai toujours pris un petit papier, c'est que j'ai fait, j'enlève le papier, puis je le mets sur une tôle. Je l'envoie au frigo. Puis après ça, je peux prendre chacune des roses, puis les passer comme je veux. Tandis que là, la rose, il faut que tu t'organises. Faut pas qu'il fasse trop chaud, faut que tu pousses à la poignée comme il faut, à la déposer comme il faut, puis il faut pas qu'elle bouge, qu'elle défasse. Tandis que du bout du papier à la tôle, puis t'en fais plein, 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 puis une fois que c'est figé, tu prends ta rose avec tes doigts, puis ça change rien, ça va, c'est plus facile. OK. Le début, faut se faire un genre de rond pour faire le centre comme une pétale qui est fermée, en fond. On se suit. Je vais essayer de pas trop shaker. Tu mets crème au beurre. Elle est pas molle. Il est déjà rendu dur. Je vais essayer de faire de quoi avec ça pareil. Je vais essayer. Ok. Je vais essayer de réussir à faire un rond. Allez, là, je pense que je vais avoir la misère. Elle est vraiment frette. Je vais essayer. Généralement, quand on fait des tours comme ça, on repart toujours au centre pour faire une pétale. On va l'avoir. On part au centre de l'autre, puis on descend. On part au centre de l'autre, puis on descend. Je sais pas si ça revient à voir, là. Aussi. Je repars au centre. Puis là, le petit bout qui va être le plus difficile, je vais peut-être essayer pareil de faire le plus possible, parce que quand t'es rendu sur un pot, c'est moins facile. Je vais en faire encore. Pour ne pas cacher tout le gâteau. Fait qu'il me donne. Je pourrais en enlever un petit peu. J'avais rien vu, hein. Je vais-tu réussir à s'entouriser? Parce qu'elle n'est pas glacée, pas froide. Elle n'est pas froide, tu sais, j'aurais un genre de styromousse. Je l'aurais piqué sur le styromousse, je l'aurais envoyé au frigo, puis là, j'aurais pu la manipuler comme je veux. Mais là, je vais essayer de la manipuler avec des ciseaux. Au montage, je ne verrais pas, je n'avais pas. Bon, je l'ai senti. Donc, la rose est faite. C'est comme le même principe sur ça. On se fait comme un... Je vais le montrer, là, ça va être un peu gros, là. Trop gros pour la plateforme, mais c'est la même affaire. Ah, pour expliquer comment ça fonctionne, ça ici, on a un bout large, puis on a un bout plus pointu. Donc le large va en bas, puis le pointu va en haut pour que ça soit mince, mince, que ça puisse ouvrir un peu. Donc on se fait comme un petit... Attends, ça va pas bien avec... Je vais essayer. Je vais juste me faire un bâton. Puis là, on partirait comme j'ai fait tantôt au début. Un peu gros pour ce que c'est que j'ai. Mais c'est la même affaire. On part, on monte, on descend. On part, on monte, on descend. Ouais. Si je fais ça comme ça, là, ça n'arrêtera pas. Là. Je vais essayer de vous montrer, là, mais je sais pas si c'est bien. Fait que moi, je prendrais mon papier, je me mettrais une tôle du sens inverse pour que je glisse égal, comme si je ferais ça ici. Là. Là, bien sûr, ouais. Toute ma tôle, j'envoie ça figé, puis après, je peux juste la prendre et la déplacer. OK. Fait que là, on a notre rose. Après ça, puis je pourrais mettre lui ici.
Ça, c'est le devant, ça paraît trop. Vous voyez pas que j'ai accroché là. j'ai pris ma douille. Comme ça. Je sais pas si on la voit bien. Puis je fais comme si c'était un cactus. Je vais juste me faire un peu ça. Possible. Non, parce que moi j'accrocherais la côté. Je vais t'accrocher? Non. Je crois qu'elle t'a accroché, mais c'est mon gâteau de tantôt. Faut que ce soit le plus collé possible. Parce que là, tu sais, je regarde, là, puis je vois une petite fente, mais faut la voir. D'après moi, de loin, je le verrai pas. Fait que. Y'a rien qui va t'es paraître. T'es collé. Y'a rien qui va paraître. Ok. As-tu déjà vu un cactus parfait? Non, c'est sûr. Partout. Je suis pas très cactus. Ça ressemble de quoi de proche? Oh. Est-ce que c'est long pour rien, peut-être? C'était une idée. Ça prend pas des pinces, tu veux que c'est du glaçage? Ouais, je pense que ça va pas mal être ça parce que la grosseur que c'est, là. Ça aurait été vraiment mieux avec une poche déjà prête avec. Hey, là, il faut avoir du fun. Il faut faire ça tout autour. Là. On va essayer d'en faire juste en avant. C'est ça, télévision. Juste en avant. Ça ne resterait pas. C'est une idée qui fonctionne, là. Tu sais, quand même. J'ai déjà du sucre poudre. J'ai déjà montré comment faire, mais en le refaisant, je vais juste refaire un rappel. Donc, j'ai mon emporte pièce qui va dans ce qui me donne la forme. Puis moi, j'ai déjà. La fleur est déjà formée. Je vais la mettre là. Je vais prendre. De la colle, de l'eau. J'en veux juste une. Et dessus. Après ça, j'aurais pu la faire plus grosse aussi. Voilà, merci. On la voit plus. Là, j'ai celle-là. On pèse. Je sais pas si vous voyez, j'ai fait deux. Tu sais, au lieu de finir en feuille, ça a arraché le bout. Hein. Fait que c'est sûr qu'il faut essayer le plus possible de faire ça puis de donner un petit coup sur le côté. Mais s'il est froid, il va tout nouveau nous faire une affaire de même. Faudrait qu'après, je vous mets dans une autre poche puis je vous montre l'autre. Ça donne quoi? Ben, celui que j'ai mis quelque part là. Je vais vous montrer. La feuille, elle va se faire automatiquement. Mais oui, on a la ligne. Tu sais, on a la ligne là. Normalement, il faudrait donner un petit coup sur le côté, mais vu qu'il est froid, ben, il se sépare en deux. Fait que c'est quoi la meilleure des. Fait que là, on va avoir un qui va se séparer en deux tout le temps. On fait juste monter. Sans rien accrocher. La saillante n'a rien accroché. Oh, j'aurais pas fait l'inverse. On va t'avoir quelque chose. Vraiment bise. T'sais, on comprend le principe que on fait juste monter. On a eu toutes des belles feuilles, là. Ça, je disais, tu sais, cactus. C'est pas un cactus, c'est une rose. Tu fais juste faire un pot de fleurs, dans le fond. Ce que je vais montrer, c'est que si on a besoin de la même couleur, on peut juste changer. Ah, oh, c'est aussi simple que ça. Là, j'ai un autre bout, puis je peux continuer. Puis là, je voudrais rechanger pour un autre bout qui est différent. Là, il y a plein de sucre en poudre dedans. Là. Mais, tu sais, lui, il est rond. Peu importe, c'est juste ces petits bouts d'affaires blancs-là, c'est merveilleux pour ça.
jusque là, ici. Puis je pense qu'il faut que j'aille à ce sens là. On va se faire juste. Puis là, je suis pas en avant là. Idéalement, on se fait ça le plus possible en avant, hein, qu'on puisse voir ce qu'on fait. Là, je vois pas dans tout ce que je fais. Mais idéalement, c'est comme y aller comme une feuille, là. Je veux juste des petits motons là. Puis là, on descend. Mais tu sais, idéalement, je pense arrêter de l'autre sens. Regardez ça. Comme je faisais ma feuille à l'envers. On arrêtait de l'autre bord. Puis, en regardant de face, là, je vois ce que je fais, ben, j'ai vu que je suis à l'envers. Mais c'est arrêter de ce sens-là le plus possible, mettons. Là. On peut en repartir à l'autre. Si, on peut en repartir. Si, on peut faire le tour, on peut faire le tour du pot, on peut même cacher la petite ligne, là, si, mettons, ça nous dérange. Ok, là, j'ai tourné de l'autre bord. Je vais essayer de faire. Mon glaçage commence à être chaud. Bon, on a l'effet inverse de tantôt. Mon glaçage est chaud. On voit pas super bien, dès que lui, on va le voir mieux là. Ah, ok. Oui, ça fait, c'est juste que là, j'ai, oui. Moi, c'est vraiment comme une rosette là, qu'on voit vraiment les pétales. Là. Mais c'est vraiment l'effet inverse. Hein. Un glaçage trop chaud, tu sais, il veut pas, il sort, je pèse à peine dessus puis il sort. Parce que normalement, il est supposé me faire une fleur puis je sais pas, là, c'est, t'sais, ça fait des fleurs, mais c'est faut peut-être de quoi de bon entre les mains. Mais c'est ça, t'sais, ça donne l'effet fleur rosette. Puis après ça, on se met une petite bille en plein centre puis on a des fleurs. J'ai beaucoup de douilles que j'ai vraiment pas utilisées. Que j'ai pas pris le temps, mais elles existent. De toutes les styles. Je sais même pas si elle a fait quoi. Ça, c'est ma feuille. Ça, celle-là. Ils sont tous si bizarres. Là, celle-là. C'est elle. Elle est bizarre aussi. C'est difficile de. Elle. J'ai amené ça, puis ça ici, c'est juste parce que moi j'ai ça, peut-être en grosse quantité là. Fait que je me suis dit, si j'amène juste ça, le monde va pas comprendre c'est quoi, fait que c'est comme ça. Oui, c'est de la terre. Je pourrais dire que je le mets, je l'installe là. Mais après ça, quand on va faire le airbrush pour enlever tout ce qui est sucre en poudre, ça va tout partir avec l'air. Fait qu'on va enlever le sucre en poudre, puis après ça on va pouvoir le mettre. Là, je peux utiliser ça. On peut utiliser, je peux utiliser un pinceau. On s'en met comme ça. Quand c'est sur le bord, tu sais, on peut l'envoyer, l'étirer. Ça va sûrement tomber à côté, c'est sûr. Tu sais, quand on veut passer entre deux, là, puis qu'on n'a pas envie d'accrocher ce qu'on a de fait. Sur le bord, sans en mettre partout. Idéalement, une fois que tout ça est fini, on peut s'installer des fleurs. T'sais, entre, j'aurais pu les faire plus gros et de un, là, mais entre chaque partout, là. La chape là, tu l'as sur. Comment je peux dire ça? Le dessus. Broyé ou grosseur qu'il y a dans la boîte? C'est différent que ça. Parce que ça, moi, je reçois ça, comme je dis, c'est une grosse poche okay. De 20 kg que je reçois. Là. Lui, un, je pense qu'il est plus foncé. Ouais. Je crois que j'ai des morceaux un peu plus gros aussi au travers. C'est ça, je me pose comme question. Ça ferait même encore plus terre que des plateformes faciales. Mais tu sais. Je peux envoyer des morceaux comme ça. Des morceaux plus inégales. Ouais. Ça ferait plus encore terre. OK. Tu sais, idéalement, il aurait fallu que j'installe ma terre avant d'installer ça parce qu'il va y avoir plein de chocolat dessus. Hein.
Mais c'est pas logique quand je vais envoyer mon air wash. Ou sinon, j'aurais passé mon pot au pinceau avec de l'eau si j'avais mis ma tête. Est-ce que c'est. Est-ce que tu vois les coups de pinceau ou si tu le fais au pinceau? Oui. Je vais ramasser juste ce qui est tombé après. Puis avec un rebord, ça aurait été plus facile. On aurait juste tout piché sur le bord. Admettons que c'est un. Quand on te demande le gâteau, que c'est une chaudière avec. De faire des châteaux de sable avec, avec une pelle. Ton sable, tu le fais avec quoi? Des microgrammes? On peut faire ça avec du gramme, oui. Mais on peut faire des mélanges. Tu sais, oui, le gramme. Il y en a qui vont prendre des biscuits, tu sais, genre style biscuit érable, mais qui vont le broyer. Tu sais, tout ce qui est couleur sable, dans le fond. Faut juste le broyer et se faire du sable avec. Fait que moi j'ai du gramme à quantité industrielle, là, autant que ça. Là. Fait que je suis juste à prendre du gramme, c'est comme ce serait du sable. Solution rapide, c'est ça. Mais est-ce qu'à la maison, on a toujours du gramme, mais on peut avoir des biscuits de couleur sable. Mets ça dans le blender. Puis on a une petite poudre, ça fait du sable. Est-ce que du gramme? Mais en tout cas, moi j'ai pas ça à la maison. Hein. Okay, ouais, des choses comme ça. Mmh. Ouais, c'est vraiment juste de broyer des biscuits de la même couleur. On aurait un effet sable. C'est ça que je disais, on aurait pu rajouter des fleurs pour les coins, mais tu sais, idéalement, j'aurais fait de quoi de plus gros, tu sais, tout plus gros pour que ça cache le complet. Mais sinon, on se fait des petits spots, on se met des fleurs dessus, puis t'sais, la finition va être plus beau avec l'écriture, puis ainsi de suite. D'autres questions? Moi, je dirais que, ben, pour moi, c'est tout pour moi. Donc, à la prochaine!